d'Amérique à pointe des pieds, à vous. Aigle d'Amérique à pointe des pieds, à vous. Pointe des pieds, vous me recevez? Répondez. Ici, pointe des pieds, je vous écoute. Avez-vous bien reçu le colis souvenir, à vous? Colis souvenir bien reçu, à vous. Et là-bas, papa, est-ce qu'il neige? Je ne pourrais pas te le dire parce que je suis à Marrakech. Wow! Et cette fois, ce sera la bonne, mon grand. Mon rêve se réalise. Notre mission est compromise, à vous. Embrasse maman pour moi. Ici, Mama Poule, fin de transmission. Et le petit dodo, il va faire un gros dodo. La ville où je suis en ce moment, en Roumanie. La Nouvelle-Guinée, c'est autre chose que la vieille Guinée. Aigle d'Amérique, à pointe des pieds, à vous. Aigle d'Amérique, à pointe des pieds, à vous. Je suis à la bonne hauteur maintenant. Oula, ça fait combien de temps que je suis parti? Ça fait 2 mois et 17 jours. Déjà? Bon, mais ne t'inquiète pas, parce que Samoa est bien l'île qu'on cherchait. Ce site sera mon héritage. Y absolument. Pointe des pieds à Aigle d'Amérique, à vous. Répondez, vous me recevez? Salut, fiston. Je suis sur le point de faire une immense découverte. L'ennui, c'est que je ne vais pas pouvoir être là pour ton anniversaire. Je suis désolé, mon grand, mais une occasion pareille ne se présente pas deux fois. Une occasion pareille ne se présente pas deux fois, Franklin. Je m'apprête à harponner une espèce rare en cours de cette expédition. À cause de 15. Au bas mot, 1 million. Et immeuble classé. Oh, ne me remerciez pas. Commencez à faire sculpter ma statue. Bonjour, Poppy. Monsieur Papa. Contrat. J'aime l'odeur de l'encre le matin. C'est l'imprimé approprié et le propriétaire du produit pressenti est présent. Alors allons-y. Monsieur Papa pour Monsieur Grimmins. Et vous êtes... Poppy Peponopoulos, l'assistante personnelle de Monsieur Popper. Je prends soin de sa paperasse et lui procure sa presse. Ne vous inquiétez pas, elle ne le fait pas exprès. Pardon? Non, rien. Allez-y, entrez. Monsieur Popper, désolé de vous avoir fait perdre votre temps, mais j'ai changé d'avis, je ne vends plus. Je comprends. Se cramponner à ce qu'on a de plus cher au monde, quoi de plus normal? Disons que cet immeuble est mon dernier portefeuille. Et si je le vendais, je serais... Vous seriez libre. Et ça, c'est terrifiant. Je comprends. Pas grave. Vous partez en croisière cette année? Où trouverais-je le temps pour ça? Oui. Mon père a fait le tour du monde à la voile en solitaire. Oh, oui. Un homme heureux. Oui, comme Hemingway, seul au milieu de l'océan. Vous savez, ça a toujours été un de mes rêves les plus chers. Ah, il en a raconté des histoires. Il y a eu cette tempête au large du Cap Horn. Du Cap Horn? Oui. La mer était calme, le voilier glissait sur les eaux, quand subitement... Gah! Des creux de 6 mètres, comme des coups de bélier dans la proue. Papa, qui était à ma hors-pair, n'avait jamais vu de vagues pareilles. De rafales aussi violentes. Le diable en personne soufflait sur son voilier. Une coquille de noix ballottée par les flots. Le sel lui transperçait le visage comme des milliers d'aiguilles. Et soudain, une rafale plus forte arracha la grand voile. Il se voyait déjà au fond de la mer. Et alors? Et alors? Oui. Il a fait barre avant toute. Il s'est le phoque. Le gréement, le gréement. Et une fois passé de l'autre côté, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez pas? Mais c'est... Bon sang, dites-le! Une baleine bleue. Comme un gentil géant, la plus majestueuse des créatures. Elle est d'un bleu magnifique. Vous la voyez? Sa peau scintille au soleil. Et l'arc-en-ciel. Sur l'embrun de son évent puissant. Oui, vous verrez ça vous aussi. Un jour peut-être. Attendez. Bravo, papa. Vous vous êtes surpassé. Merci, mais c'est mon métier. Messieurs, comment voyez-vous l'avenir de Franklin, Reeder et Yates? Un inévitable déclin vers une implacable vieillesse et cette étrange odeur de vieillard qui conduit avec son clignotant gauche qu'il oublie d'éteindre? Franklin. Ou bien une renaissance avec véhémence, vigueur et viagratilité. Et avec quoi débouche-t-on vieillard terre?
Du 109 ! Sérieusement, messieurs, assurons nos arrières. Le temps est venu de penser alliance, la bague au doigt. Mais qui dit alliance, dit associé. Et qui dit associé, dit actionnaire et membre du conseil. Vous m'entendez ? Je savais que vous mettriez ça un jour sur le tapis. On a vu cette plaque de marbre dans votre bureau. Oups. Popper, on ne connaît personne de plus qualifié que vous pour siéger ici à cette table. Ne vous asseyez pas encore. D'accord. Il vous reste un ultime projet que nous souhaiterions vous confier. Envoyez, messieurs. L'Hôtel Plaza ? L'Empire State Building ? Le Patagone ? La Taverne on the Green. La Taverne on the Green ? Qu'est-ce qu'il y a, Popper ? Rien, c'est... Disons que... Le produit est un peu défraîchi. C'est le seul bien immobilier qui appartient à un particulier dans Central Park. On peut faire construire ce qu'on veut à la place de ce restaurant. Vous voulez dire... On peut l'effacer de la surface du globe ? Mm-hmm. Repartir de zéro ? Comme s'il n'avait jamais existé. Exactement. Mais il faut d'abord convaincre Madame Van Gundy de nous le vendre. Elle a déjà eu un millier d'offres et elle les a toutes refusées. Vous n'aurez droit qu'à une seule chance. Vous pensez pouvoir la convaincre. Excusez-moi, on a été présenté ? Je suis Tom Popper. Des ventes comme ça, j'en fais 15 pendant mon sommeil. Allô ? Amanda, on arrive. Les enfants sont déjà prêts ? Oui. La dernière fois, ça a pris du temps. Ne coupez pas le moteur. Bien, Monsieur Popper. Thomas, je te salue. Te salue, Eric. Et bienvenue sur notre planète. Chez nous, maintenant, on dit « salut vieux » ou simplement « ça roule ». Comment vas-tu ? Mieux maintenant, merci beaucoup. Non, vraiment, Thomas, comment vas-tu ? Vraiment, je vais bien. Détourne ton regard. Je détourne le mien. Hey, Popper ! J'ai travaillé ma frappe du droit. Fais voir ce que t'as dans le ventre. Et vas-y, tire ! Bien bloqué. Salut, Popper. Je te salue. T'as vu Rick ? Ouais, il m'a serré trois fois dans ses bras, comme un séquoia en voie d'extinction. Commence pas, on a passé deux soirées ensemble. Bah, il est près du but. Y a rien de mal à aimer recycler. Et moi aussi, je recycle. Je fais de vieux immeubles des résidences ultra-modernes. Et je t'ai pas dit que je le trouvais beau, mec ? Oh. Mm-hmm. Ça prouve que t'as toujours aussi bon goût. Et prévenant, intentionné. Où est ta sœur ? Elle a un problème existentiel. Tu sais, Cooper Keegan. Cooper qui quoi ? Le grand amour de sa vie. Ah. Tiens ! Mais qui voilà ? Qui est prêt à passer avec son papa un week-end de rêve ? Elle dit qu'elle n'a pas envie d'aller chez toi ce week-end. Parle-lui, toi. Yeah, absolument. De quoi s'agit-il ? De 45 kilos d'explosifs et d'un détonateur. Fais gaffe de pas couper le mauvais fil, sinon ça va faire. Boum. À côté de ça, l'Irak, c'est le Club Med. Tu veux qu'on en parle ? Allez, lâche-toi. Qu'est-ce qu'on fait quand on aime quelqu'un mais que lui, il vous aime pas ? Jenny, tu es une jeune femme libérée, qui tient à son indépendance. Tu n'as pas besoin d'un mec dans ta vie. Pense à Martha Stewart. Elle est riche et elle dort avec ses chiens. Oh, t'es vraiment tordue. D'ailleurs, je me demande pourquoi je te raconte mes histoires. Oh. Jenny. C'est pour ça que je veux pas aller chez lui. Il a coupé deux mauvais fils. Jenny, c'est notre week-end. Ça va être sympa. On communique. On communique. Monsieur Popper, c'est Poppy. J'ai pu persuader les personnes de la taverne de prendre en considération votre proposition. Génial. J'ai pas les enfants ce week-end. Fixez-moi un rendez-vous avec Van Gundy, rappelez-moi. Les petits ne seront pas là ce week-end, Monsieur Popper ? Non, Daryl. Ils ne m'aiment pas beaucoup en ce moment. Moi, je vous aime beaucoup. Vous, vous bossez déjà sur vos étrennes. C'est jamais trop tôt, vous savez. Y a absolument. Passez une délicieuse fin de journée. Tommy, c'est Reginald. Appelle-moi. C'est au sujet de ton père. Il était où cette fois ? En Antarctique. Il vendait des cornets de glace aux Esquimaux ? Non. Ça, c'était en Arctique. Si tu veux.
Ton père t'aimait, tu sais, Tommy. Oh, c'est bien de le savoir. Je t'écoute. Je vais te lire le testament de feu Thomas Popper, père. À mes confrères et amis de la Société Géographique, je lègue mes enregistrements de sitar slovène, ma yourte au lac Tao et ma yourte en Ouzbékistan, ainsi que le reste de l'ensemble de mes possessions. À mon fils Tommy, je t'envoie un souvenir. Je regrette de n'avoir pas pu venir te l'offrir moi-même. Aigle d'Amérique. Fin de transmission. Merci. Dieu soit loué, c'est lundi. Mon souvenir. Trop gros pour une boule de neige. Trop petit pour une yourte. Oh oh, waouh! Un pingouin empaillé. Encore un de ces bibelots inutiles. Merci, papa. Sir John Popper? Oui, je sais, je suis en retard. Van Gundy est déjà à la taverne? Oui, je sais qu'elle n'est pas n'importe qui. Bon, d'accord. Faites-la patienter, je serai là dans 15 minutes. Eh, j'en sais rien, dites-lui qu'un porc-épic m'a piqué, qu'un piéton m'a piétiné. Pourquoi est-ce que je vous... paye? Je vous rappelle. C'est un pingouin vivant. Il me lègue un vrai pingouin. Dans ma maison, je te réexpédierai dans ta maison. Tu vois ça? Ça vient d'Italie. Pas de coup de bec. Ces belles serviettes aussi. Interdites aux pingouins. Pour ce qui est du reste, ne touche à rien. Poppy, tenez bon. J'arrive. L'actualité est prioritaire chez cette personne importante. Pas de panique, papy. Je vais la gratter gentiment entre les oreilles. En 2 minutes, elle se blottira sur mes genoux et ronronnera comme un gros chat. Qui est embusqué derrière moi, hein? Madame Van Gundy, comment allez-vous, Tom Popper? Monsieur Popper? Je crains de n'avoir que 10 minutes à vous accorder. Vous êtes affreusement en retard. Ce sera suffisant. Je vous présente Tito et Teddy, notre personnel de cuisine. Bonjour. Klaus, notre factotum. Et notre chef, Arnold. Sa gastronomie ne passe jamais de mode. Vous aimez la tourte au rognon? C'est une blague? J'adore. Ah. J'ai ma carte de donneur. Donneur de rein, de rognon. Non, en fait, j'y ai jamais goûté, mais je veux bien essayer. Allons nous asseoir. Allez, les enfants, au travail. Vous pensez que ce serait possible que je m'asseye plus vers le centre de cette salle à manger pour me faire une idée de l'espace? Vous portez un nom très inhabituel, monsieur Popper. Et je n'oublie jamais un nom. Ce restaurant appartient à ma famille depuis 3 générations. Oui, je vois.
Ma grand-mère a servi du coco-vin à Winston Churchill et mon père du champagne millésimé à Monsieur Fred Astaire. Ma mère a fait un jambon-beurre à Michael Jordan une fois. Et elle a dit que c'était quelqu'un de très terre-à-terre. Ça, c'est ironique, compte tenu de... Ça, c'est parce qu'il est grand, quoi. Fascinant. Je refuse de vendre ce patrimoine au premier venu. Comprenez que je considère le personnel comme des membres de ma famille. Oh, rien n'est plus important qu'une famille. Non, rien. Êtes-vous marié? Pas pour l'instant. Oh, des enfants? Deux. Et je passe avec eux des moments magiques, un week-end sur deux. Et la moitié des vacances. Parlez-moi un peu de votre père. Mon père? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Un père est un père. Le mien était comme les autres. Vous étiez proche. Oui, je dirais que nous étions sur la même longueur d'onde. Madame Van Gundy, je préférerais que nous parlions de vous et de votre vie une fois que vous aurez vendu. Imaginez-vous sur un voilier, en plein océan, admirant une baleine, oui, une baleine bleue, crachant un arc-en-ciel par son évent puissant. Désolé, mais je ne prends pas de drogue, Monsieur Popper. Pourquoi vous dites ça? Bon, parlons sérieusement. Je pourrais vendre ma taverne à une multitude d'agents immobiliers peu scrupuleux et beaux parleurs, tels que vous. Mais je ne la vendrai ni à vous ni à quiconque tant que je n'aurai pas une idée précise de ce que vaut l'acheteur. Avant ou après impôt? Oui, puisque c'est ainsi que vous l'interprétez. Je vois à qui j'ai affaire. Bien, le rendez-vous est terminé, Monsieur Popper. La taverne n'est pas à vendre pour l'instant. La baleine bleue s'est pris un gros râteau. Argartai. Oh, Dieu soit loué. Vous m'avez expédié un colis. Mon nom est Popper. Popper, vous bébé de Captain Popper. Captain? Oui. Moi, bébé de Captain Popper, mon père, qui apparemment était votre capitaine, m'a fait expédier un pingouin. Vous aimez pingouin, c'est gentil, ça, oui? Non, c'est méchant. Votre capitaine était cinglé. Très cinglé, moi j'aime. oui, c'est bien d'avoir quelqu'un à aimer. Mais écoutez, je suis obligé de vous réexpédier ce pingouin. Hein? Allô? Allô? Je dois vous renvoyer ce pingouin. Renvoyer pingouin? Oui, renvoyer pingouin. Renvoyer pingouin. Ça fait 5 fois que je vous le dis. Je dois renvoyer le pingouin. 5 fois, renvoyer pingouin, ok. Super. Oh, et la caisse réfrigérée est abîmée. Renvoyez-moi une autre caisse pour le pingouin. Allô? Allô? Ah! Qu'est-ce que je vais faire de toi? Toi, tu es un pingouin mort! Non, pas ça! Argartai! Allô? Désolé, pas possible répondre votre appel. Bureau fermé à moi pour festival de glace! Bonjour, service vétérinaire. Vous avez appelé pour un oiseau? Votre présence me ravit le cœur. Ah, et voilà le pépère. Oui, mais c'est un... Allez-y, il est très gentil. Oui, mais c'est un pingouin. Je vais voir ce que dit le manuel. Mais pas dans le manuel. On peut pas dire que c'est un pigeon? Un bon gros pigeon. J'ai pas le droit de le toucher si c'est pas dans le manuel. C'est contraire au règlement. Essayez les eaux et forêts. Non. Essayez l'office de la faune aquatique. Je regrette, monsieur. Essayez les services sanitaires. Désolé, mais je ramasse que les bestioles crevées. Pizza au pingouin, boulette de pingouin. Hey!
est sorti. Et voilà. Allez, Phil, dégage. Tu vas trottiner jusqu'au bout de la rue. Le pôle sud, c'est par là. Sors de l'immeuble, première à droite. Et continue tout droit. Bien. Je vais te donner un petit coup de main. T'inquiète. Regarde ça. Et en avant. Oui. Bye bye, pingouin. Bah, monsieur Popper. Oui. J'ai votre pingouin. Ah, la tenez. Pardon? De quoi vous parlez? Ce pingouin n'est pas à moi. Ah non? Non, enfin, mais qu'est-ce que je ferais d'un pingouin? Bah quoi, ça peut être n'importe qui. Oh, attendez. Donnez-moi ce pingouin de malheur. Donc vous avez obtenu du syndic une autorisation spéciale pour garder cet oiseau de compagnie, c'est ça? C'est vraiment gentil de leur part, hein. Combien pour ne plus voir le pingouin? Ah, je le vois encore. Ah, il devient trouble. Si je plissais les yeux, je verrais une petite boule de plumes. Et maintenant? Est-ce que c'est vous, monsieur Popper? Il fait de plus en plus noir. Oui, Poppy. Monsieur Papa? Oui, je ne retournerai pas au bureau aujourd'hui. Oh, pourquoi? Problème de parasite. Quel parasite en particulier vous pose problème? Un pingouin. Un pingouin? Oui, avec un P, un mot comme vous les aimez. Salut, Papa. Kent. Dis donc, c'est un animal, ce que j'entends, Papa? Un animal? Non. Quoi? Mais non, voyons. Ah, d'un autre côté, je pourrais comprendre. Hein, moi aussi, si j'avais un 300 mètres carrés, je me trouverais quelqu'un avec qui partager. C'est pas un animal, Kent. J'ai laissé la télé allumée, je vais l'éteindre. Digital surround. On croirait qu'il y a un vrai animal qui bousille l'appart. Du matos de folie. Bye, Kent. L'aigle doré est le plus grand des rapaces d'Amérique du Nord. Avec une envergure d'1m85 à 2m20, cet oiseau est extrêmement rapide et capable de fondre sur sa proie à des vitesses supérieures à 240 km/h. T'aimes ça, hein? Son espérance de... Dommage. Oui, j'aimerais votre commentaire où vous reveniez sur ces chiffres. Visiblement, les chiffres sur le vendredi étaient plutôt positifs. Sur les trois derniers mois, on peut donc... C'est pas très drôle. T'es pas drôle. Je vois pas ce que les gens te trouvent. Ah, ma vie va changer. Hé, hey, Chili Willy, ton carrosse est avancé. Qui c'est qui va faire un beau voyage? Hein, en première classe, content? Allez, le pingouin. Je déteste les adieux. En voiture. Viens ici. Tiens. Game over. T'as perdu. On va verrouiller les écoutilles. Attends, tu vas où comme ça? La nif de mon fils est dans 10 minutes, tu entends? Eh oui, c'est moi qui commande. Parce que moi j'ai un cerveau. Attends. Comment tu... Mais qu'est-ce que c'est? Comment t'as grimpé jusque-là? Et elles sont où, tes échasses? Mon Dieu, visiblement, un petit problème de communication. Attention, qui a faim? Pidi, à table. Ah! Oh, hey! J'ai cru que vous vous étiez perdu en route. Eh ben non. Sympa. J'espère que vous êtes prêts pour l'immense fiesta. Ouais. Qu'est-ce que tu nous mijotes? Juste un détail, tout n'est pas encore prêt. Alors, si vous alliez faire un tour juste le temps que je prépare le cadeau de Billy. Je traduis. J'ai zappé, comme d'hab, et j'appelle Poppy pour qu'elle m'apporte un truc. Jenny,
C'était dur. Mauvaise traduction. J'ai un cadeau et il est là à l'intérieur. Ouais, un pingouin. Non. Ouais. Billy, en fait. Il est trop cool. Oh, trop tard. Non, attends. Tu veux dire que tu lui offres un pingouin vivant? Six pingouins, ouais. C'est mon plus bel anniversaire. C'est je monte jusqu'à 6. Ils ont un nom? Oui, bien sûr. Lui, c'est Captain. Captain Popper. Lui, c'est facile, c'est par ailleurs. Et lui, c'est... Passeur. Schlinger. Non, il me fait un câlin. Ah ben justement, lui, c'est... Calinou. Mmh, oui. Enchanté. Et lui, c'est Looping. Faisons un château fort. Un château fort, cool. Vas-y. Oh, Billy, les coussins, c'est une très bonne idée de faire un château fort. Tu veux que je te dise, en termes de cadeaux d'anniversaire, tu viens de placer la barre à un niveau jamais atteint. Comment tu as fait? Tu as déniché une agence de location de pingouins pour les anniversaires, un truc comme ça? Non, ça c'est une idée de Tom le Vieux. Oui. Quoi, tu l'as revu? Comment va-t-il? Dis plutôt comment il allait. Il est mort? Oui. Il est définitivement passé de l'autre côté. Oh mon Dieu, Tom. Je suis désolée. Ça va? Très bien. Très bien. Oui, ça va, impec. Regarde ce qu'il m'a laissé. Attends, où tu vas? Reviens ici. Tu es superbe. Très merci. Beau gâteau. Je vais mettre le gâteau. Oh. Quoi? Oh non, pas ça! Oh, trop mignon. Je crois qu'ils veulent faire leur nid. Pour une fois que tu as quelque chose dans ton frigo. Oui, Thomas Popper. Uh-huh. Nat Jones, zoo de New York. Service des oiseaux exotiques. Votre assistante a téléphoné celle qui a un petit problème de paix. Je suis ici pour les pingouins. Oh! Elle avait pas dit que c'était des gentoo. Combien y en a? Vous en avez 5, 6. 6? Oui. Oh, encore mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais rien, un petit détail à régler. Garde-moi une petite part de ce gâteau. J'ai mon équipe en bas avec le fourgon et tout le matériel nécessaire. Oui, je vois. Mais en fait, aujourd'hui, ça va pas être possible. Attendez, je comprends pas. Et croyez-moi, j'aurais bien voulu. Mais c'est l'anniversaire de mon fils et il est dingue de ses pingouins. Vous connaissez les enfants? Je connais pas les enfants, mais les pingouins, je connais. Et eux sont dingues de neige et de poissons. Mettez-les dans un appartement, ils attraperont la gale et la myxomatose du pingouin en quelques jours. Myxomatose? C'est moche et mortel. Ils seront beaucoup mieux dans un zoo. Je sais, j'ai juste une contingence diplomatique. Monsieur Popper, on ne peut pas éviter l'inévitable. Donnez-moi ces oiseaux. Et absolument. Ils sont à vous. Mais pas tout de suite. Je vous rappellerai. Salut. Faites vite. Ouais, c'est moi. Il en a 6, t'imagines? Hey, ce sont des gentoo. Pas encore, mais je les choperai. C'était qui? Pourquoi le monsieur a dit « je suis ici pour les pingouins »? Oh, lui, là, c'était... il était là pour leur donner leur bain, c'est tout. Il est toiletteur de pingouins. Parce qu'ils en auront besoin, crois-moi. Je lui ai dit de revenir plus tard. Parce que là, eux aussi, ils veulent faire la fête. Ils sont à moi, pas vrai? J'ai le droit de les garder? Évidemment. C'est quoi, cette question? Tu sais, Billy, je lui demanderais de te promettre si j'étais toi. Dis-moi que tu le promets, Popper. Oh, oui, c'est... Toute la phrase. Tu ne voudrais pas le décevoir. Quand ai-je déjà déçu quelqu'un dans cette famille? Mon pingouin anniversaire de mariage. Je te le promets. On pourrait revenir demain soir? Vraiment? S'il te plaît, allez! Oui. Et toi, Jenny, tu veux aussi? Ouais, ça pourrait être sympa. Qu'en pense la rabat-jouette? Une soirée pour moi toute seule, je crois que je survivrai. Merci, papa. À demain, alors. Très belle soirée. Ouais. Les gosses veulent venir me voir. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Merci. Bonne soirée. C'est merveilleux, le bruit de la nature. Ça induit le sommeil. C'est merveilleux. Et c'est naturel.
excusez-moi. Oui, bon. Maintenant, on se tait et on va dormir. Sinon, on va hurler pour quelque chose. Allez, allez, arrière toute, dispersion. Bon, c'est vrai, quoi. Je suis habitué à vivre seul. Non, c'est cher. Et là? Non, ça, c'est ma télécommande à moi, Woody Woodpecker. Ah. Ça vous plaît, hein? C'est vrai que c'est marrant. On dirait un pingouin. Excellent! Ça tourne en boucle toute la journée. Ça va sûrement être guindé cette soirée. Précisément. Alors, où étiez-vous passé? Les ancêtres. On a eu les gens de la taverne au téléphone. Van Gundy vous a laminé. Messieurs, calmons-nous. La vie est trop courte, voyons. Surtout celle de Franklin. On croyait pouvoir vous faire confiance. Mais attendez, la mégère apprivoisée compte plus d'un acte. Vous savez qu'elle est à la tête de plusieurs associations caritatives. Une de ces associations organise une soirée au Guggenheim samedi. Et Monsieur Popper y participera. Et il a aussi un plan. La charmante héritière veut un acheteur intègre. Bref, un saint, une espèce de Mahatma Van Gandhi. Babou chantera le mantra de la compassion pour l'inspirer à vendre la boutique. Mais avec ma propre voix, je vous ai quand même bien bluffé, hein? Allez, avouez-le! Nous voulons de meilleurs résultats, Popper. Et en attendant de les obtenir, je vous demande d'effacer votre nom de la plaque de marbre. Un homme de votre âge ne devrait pas parler de plaque de marbre. J'aurai cette vente. Les pingouins, Poppy, dites-moi tout. Pour cette tâche précise, j'ai imprimé la page correspondante sur Wikipédia. Le pingouin Gentoo peut poser son empreinte sur une personne en particulier, comme s'il s'agissait d'un pingouin. Une fois l'empreinte posée, il poursuivra passionnément ce nouveau parent préféré. C'est vraiment écrit comme ça? Je paraphrase. Ça pourrait être poursuivi. Des surdoués de la localisation. Ils se retrouvent malgré de grandes distances. Et comment on les fait obéir? Second paragraphe. Ils sont plus dociles dans un environnement à basse température. Ça vous va comme ça? Content que ça vous plaise. Aïe! Hé, hey, hey, ça c'est un doigt, ça c'est un poisson. Faut pas confondre. Allez. Aïe! Salut les gens! Ça va, non? Un peu d'air frais. On supporte quand on bouge un peu. Captain, passez à Schlager! Les pingouins aiment le froid. Ah, sinon, c'est la myxomatose. Ça va, toi? Oui, comme un poisson dans l'eau. Si on les emmenait au parc? Billy, non. Imagine qu'ils se sauvent. C'est peut-être un peu trop confiné ici pour eux. Oh, regardez tout l'espace que vous avez. Vous n'avez pas envie d'aller explorer un peu? Envie d'aller vous perdre, hein? T'as envie de voler? Vraiment? Oh, alors ça, c'est rigolo. Je voudrais pas te décevoir, Capitaine. Mais ça, ce sont des nageoires. Hein. Et hélas, tu n'es pas de la famille des poissons volants. Hein? Papa, attrape! Non, c'est comme ça que tu le prends, d'accord? Alors à toi la balle, là! Oh, tu vas voir! Viens, Jenny! Viens faire un foot avec nous! Merci, mais non merci. Oh, allez! Petit Popper contre grand Popper, allons droit au but! Balle à petit Popper! Oh, oh! Préception de Looping qui la place à Breyer! Qui triche! Oh! Flatulence posée à bombe, ça pue le carton jaune! Coup de bête de Kalinou qui la joue comme passeur! Oh, oh! Oh là 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 là! Balle arrive sur Jenny! Allez, Jenny! T'as peur de pas réussir à battre ton vieux père? Oh mon dieu! J'aime mieux envoyer des textos glauques à mes copines que de jouer au foot avec mon vieux papa! Bien. Tu sais ce qu'on dit des filles, le sexe faible, hein, Billy? Ouais. Ah!
Excuse-moi, papa. J'ai vraiment pas fait exprès. Oui, oui. Vous n'êtes pas des petites frappes, tous les deux. Monsieur Popper. Il faut que je vous dise, j'ai de nouvelles lentilles de contact. En clair, je vois mieux maintenant. En clair. Ah, je vois toujours vos six nouveaux copains. Œil de faucon est content. Bon, on y va, les enfants. Salut, la compagnie. Je l'ai trouvé dans le hall, en bas. Oups. C'est comme la fois où tu avais perdu Jenny dans le centre commercial. Tu m'avais oublié? Non, je ne t'avais pas oublié. J'avais simplement perdu le contact visuel. Pendant moins d'une heure. Je les sens heureux ici. Tu veux les garder cette nuit? Je peux. Ouais. Cool. Rick et moi allons célébrer. T'as eu ta bourse? Oui. Bravo. Je suis vraiment content pour toi. Merci. Tu sais, j'avais pensé les confier à maman pendant qu'on serait au Ghana. Ah, donc vous allez y aller tous les deux au Ghana? Juste deux semaines. Les enfants pourraient venir passer quelques nuits chez toi. Mais chérie, vous voulez dormir chez papa cette nuit? Ouais. D'accord. Chouette. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Oh. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh. Et à toi aussi, Brailleur. Entre bien. Au revoir. Tu aimes maman? Mais non, pas du tout. Enfin, je l'aime bien, mais je sais pas si c'est réciproque. Elle vous parle un peu de moi? Toi, tu sais, t'es trop bizarre. Oh, regardez, c'est ma scène préférée. J'adore. Monsieur Papa, je me suis procuré le champagne spécial que vous m'avez prié d'apporter. Bien, il faut que tout soit minuté à la seconde près. Ce sera peut-être notre dernière chance avec Van Gundy. Et dois-je prévoir la pépicita? Yeah, absolument. Donc ce seront les horaires habituels, il y aura un peu de ménage et... Et boutonnez votre manteau, vous pourriez attraper la mort. Et puis, pour ce qui est de vous occuper de... Vous pouvez les laisser devant la télé. Parfait. Voilà. Vous me présentez les enfants? Bien sûr, oui, ça va. Ah, ils sont tous là. Et donc, vous rentrez à 22h? Dernier carat. Laissez dans les films de Charlot, ça les fait planer, ils sont tranquilles. Comment vont-ils? Oh, vous vous inquiétez comme une vraie mère. C'est adorable. Oui, je sais. C'est bon, je coupe mon portable. Ok. À tout à l'heure. Moi, j'entends couiner, caqueter, trompeter dans l'appartement de Monsieur Popper. Alors, soit il passe toutes ses soirées avec ma mère, soit je perds complètement la boule. Oh non, 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 vous êtes... Je vais vous dire un truc. Ce mec, il est pas net. J'entends dans cet aparté des bruits de petits pas comme des pattes de bestioles et j'ai l'impression de les entendre en ce moment. Je regrette. En ce qui me concerne, Monsieur Popper est le locataire idéal. Où est la cible? Là-bas, à proximité du paysage de Pissarro. Vous êtes pimpante. Ah.
charmante fleur de sapin. Madame Van Gundy, on a vu les fleurs. Quelle charmante surprise. Oh, monsieur Popper, je ne vous en dirai pas autant. C'est direct, j'aime ça. Oh, permettez, Madame Van Gundy ne boit que du Krug. Oh oui. Champagne 1992. Oh, c'est une très mauvaise année. Je prendrai le champagne maison Selma ici. Oh, Terrence. Toutes mes félicitations, oh, ma chère. Encore une fois, tu t'es surpassé. 1992. C'est une très mauvaise année. Je prendrai le champagne maison. Thérèse. La partie ne fait que commencer. Il y a quelque part une phrase géante qui cherche son point final. Monsieur Popper, si vous essayez encore de me convaincre de vous vendre la taverne, laissez-moi vous dire que vous perdez votre temps. Ne parlons plus de la taverne, c'est pas du tout pour ça que je suis ici. Madame Van Gundy, vous voulez savoir ce que je vaux? Je l'ai entendu. Monsieur Popper, cette soirée d'exposition marque le début de notre saison culturelle. J'ai organisé cette réception avec une extrême précision et je ne permettrai aucune perturbation de la part de quiconque et sûrement pas de la vôtre. N'importe qui aurait déjà compris. Oh, waouh, quel merveilleux morceau de musique. C'est romantique, hein. Me feriez-vous l'honneur de cette danse, très chère? Vous êtes tenace, Popper. Ça, je vous l'accorde. J'espère que vous avez du souffle. Oui, et dépêchons-nous parce que s'ils mettent du métal... Là... Je vous en prie. Regardez les pingouins. Ah oui, ils font sûrement partie de l'expo. Je disais donc que si on... Sur ma carne. Responsable de cette mascarade. Je mise ma chemise sur elle. Ah, c'est encore une de vos protestations écolo. Entendu, parlez-vous. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est un manque de goût. Oh, ne me racontez pas l'histoire. Regardez. Je ne vous aime pas, je n'ai pas besoin de vous, je ne veux pas de vous dans ma vie! Bon, venez. Ce Gus est un amateur total. J'attends le moment opportun et ensuite je passe à l'action. Poppy, le Guggenheim a été un fiasco. Obtenez-moi un nouveau rendez-vous avec elle. Pronto. C'est ce que j'allais dire? Et papa, viens jouer à cache-cache. C'est Captain qui s'y colle. Je ne leur adresse toujours pas la parole. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va. Billy, c'est l'heure, on y va? Jenny, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, je te dis, ça va. Attends, mais je sais, j'ai pas toujours été à la hauteur, mais je suis pas trop mauvais en conseil. Maman est là, faut y aller. Jenny, s'il te plaît, je veux t'aider. Ah ouais? Très bien, c'est hyper simple. Madison a rompu avec Cooper Keegan pour sortir avec Brandon Hill. Brandy. Alors, Cooper a demandé à Brittany si j'allais à la soirée boule de neige. Et elle lui a dit que non, Jenny, elle ira pas. Et maintenant, je passe pour la coincée du bulbe. Tu vois le tableau? Cooper voulait m'accompagner à la fête, mais il l'appelle pas. Et maintenant, Brittany dit partout que Madison a embrassé Cooper à la pause. Mais j'apprends que Brittany aussi est dingue de lui. Je sais plus quoi penser.
Donc voilà, c'est quoi ton conseil? C'est qui, Brittany, déjà? Oh! C'est la grosse qui est copine avec Madison, faut suivre! La grosse copine de Madison, je vois. Jenny! Attends, Jenny. Écoute, ma chérie. Tout ça, c'est peut-être pour un bien. Ne gaspille pas tes larmes, des mecs, t'en auras plein. Des situations de ce genre, t'en connaîtras encore et encore. Et quand t'auras mon âge, tu te souviendras même plus qui était Kevin Goober. Kevin Goober. Donc je laisse tomber et je passe à autre chose. C'est ça. Super, merci. Je me sens beaucoup mieux. Quoi? C'est un bon conseil. Elle n'avait peut-être pas envie d'entendre un conseil, mais tout simplement besoin d'un père qui l'écoute. Et si mon conseil était exceptionnel? Bonne nuit, Popper. Pourquoi s'en priver? Madison a embrassé Keeper Coogan. Non, Cooper. Embrasser Cooper. Quoi? Je veux pas avoir 30 secondes d'intimité chez moi? Qu'est-ce que tu veux, sardine? Chaplin? Ah oui, je suis pas censé deviner, je suis censé écouter. D'accord, je t'écoute. Allez, mon pépère, tu veux quoi? De quoi tu brailles? Oh non, c'est de la triche. Allez, viens. J'ai serré trop fort? Alors, c'est ça que tu voulais me dire? Y en a qui veulent essayer? Allons-y. Toi, t'as l'air plein. Prêt à larguer un scud? Ça, c'est de la bonne... Pas bouger. Bon, vos pieds. Seigneur, nous te remercions pour ce repas quotidien. Puisses-tu de ta puissante puissance mettre un terme à la fonte des glaces aux deux pôles. Amen. Quelqu'un peut me passer le sel? C'est bon, je l'ai. Salut les jeunes! Regardez ça! Attention la troupe! Prêt? Et... droite, changement gauche, changement plus, allonge! Tape du pied, tourne! Posture! Et le prix revient à Mamma Mia parce qu'un des nôtres a zappé les répétitions. Je ne nomme personne. Loupé! C'est excellent! Pas mal, hein? Ouais! Quoi qu'il t'arrive, tu sais que je suis là pour toi. Pas de stress, rien de grave. Mais Cooper Keegan veut que je sois sa cavalière à la soirée. Cooper Keegan? Oh, mon Dieu, il me faut une robe. C'est PG. SHO2PING. Quoi? C'est pas grave, on fait shopping. Tu veux dire avec toi? Y'a absolument. Ok. Papa, j'ai l'air d'un sac dans toutes ces robes. On pourrait en voir au moins une. Sors de cette cabine avec la robe que tu portes et présente-toi dans le salon d'essayage, qu'on puisse essayer de voir. D'accord. Waouh, tu es vraiment, vraiment belle. Moque-toi de moi. Papa? Tu es un ange? Arrête, papa. C'est moi le géniteur. Le quoi? Je t'expliquerai un jour. Salut les pingouins! Salut les monstres! Je vous apporte le goûter. Oh mon Dieu! Regarde! Non!
Calinou. Des œufs? Bébé pingouin, c'est ça. Des bébés pingouins? Ou trois omelettes de pingouins? Papa! Ils sont où? Ils sont à qui d'après toi? Celui-ci, c'est à Captain et à Brian. Amanda! Oui? Il faut que tu viennes voir ça. Ah. Salut! Oh, t'es venue avec Kitty? On passait la soirée ensemble alors. Ouais. Oh là là, je te salue, petite créature. Comment tu t'appelles? Rick, pinceur. Pinceur, Rick. Et toi, tu es qui? Schlinger. Sa façon à lui de dire je te salue. Tu me rejoins à la voiture? Viens, viens, il faut que tu vois ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je voie? Tu vas contempler un miracle. Regarde. Attends, mais c'est... Un œuf? Trois œufs? Oh ouais. C'est dingue! Encore papa à ton âge? C'est chouette, la nature. Ils ont rassemblé des galets pour faire leur nid. Ah oui? Oh! Looping, il n'a pas tout capté. Ça n'empêche pas d'être très attentionné. C'est parce qu'ils vont être séparés pendant de longues périodes pour ramener du poisson. Ça doit peser sur leur relation de couple. Ouais, ils finissent toujours par se retrouver. Ils ont de la chance. C'est la nature. Maman, papa veut savoir si tu voudrais aller dîner avec lui. Quoi? Billy, écoute, je Maman, crois pas que ce soit... Maman, dis oui. Comment tu trouves la chemise? Je suis pas un peu palo? Oui, je sais. Ils sont tous gelés. Quoi encore? Ah, maintenant que tu me préviens, t'aurais pu me le dire avant quand même. Ah, bravo les copains. J'ai réservé une table chez Jean-Georges, ce qui est mission impossible, à moins de sortir avec Donald Trump. Sauf que moi, c'est pas mon truc. Et vous les enfants, ça ira? C'est pas que j'ai pas confiance. Je m'inquiète, c'est tout. Ah. Popperoni. Oh, Monsieur Popper. Van Gundy a appelé. Elle souhaite votre présence à la propriété dans le parc. Là, tout de suite? Par pitié, soyez ponctuel. Dites-lui que je serai présent. J'ai intérêt à pas être manchot, sinon je suis cuit. C'est juste une métaphore. Ce serait possible d'avoir cette autre table, là? Oui. Merci. Ah, merci. Tu attends de la compagnie? Non, bonjour. Je prends la température de la pièce. Rien n'a changé en 30 ans. Il règne une sorte de charme désuet. Bon, qu'est-ce qui se passe avec cette table? Hein? J'ai l'impression que tu as vu un fantôme. Non, tout va bien. Tom! C'est moi! Mon père m'amenait dîner ici, quand il était chez nous. Ah. Oui, c'était notre table. C'était là qu'il me donnait les souvenirs qu'il me rapportait de ses incroyables aventures au bout du monde. Et c'est ici que j'avais la chance de le voir, enfin, quand je le voyais. Merci, papa. Ce sont de bons souvenirs. Et parfois, ce sont les pires. Nous avons été mariés pendant... Pendant 15 ans, et c'est seulement aujourd'hui que tu me racontes ça. Décidément, vous êtes un homme complexe, Monsieur Popper. Je sais pas. Cet endroit est vraiment mythique. Où est-ce qu'on va? Ah, c'est à moi de choisir et à toi de trouver ça charmant. Ah, vraiment? Oui. Gauche, droite. Ah, on n'aura pas la médaille d'or, mais on aura bien rigolé. Jolie figure. Je ne reviens pas qu'on soit là tous les deux sur la glace. J'ai amené une fille ici un soir, il y a longtemps. C'était fermé. On s'est faufilé, on a volé des patins. Elle a l'air bien, cette fille. J'en étais convaincu. Et une fois sur la glace, elle avait l'air un peu gogole. Elle cherchait surtout à t'impressionner. Tu te rappelles l'abri à bateau? Ah, l'abri à bateau.
Ouais. Bizarrement, il y faisait une chaleur torride. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dû heurter une bosse. On fait la course. Ah, voilà, ça c'est bien régal. Oui, tiens. Encore. C'est maintenant. Qui lui a ouvert la porte? Il avait un badge. Un badge de quoi? Du zoo? Éloignez-vous de ces pingouins! Ces oiseaux ont des œufs, monsieur Popper. Ces œufs, il faut les mettre en couveuse. Ah ouais? Bah si tu mets ces œufs en couveuse, toi tu vas te retrouver sous une tente à oxygène. Ah oui? Vous avez une curieuse façon de prendre soin de vos animaux, monsieur Popper? Comme de les flanquer devant la télé? Ouais. Chaplin, un grand classique. Vous en avez niché un dans le bac à légumes de votre frigo? Oh, 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 oh. C'est là qu'on voit votre ignorance. Ça, c'est le bac à fromage. Des sandwichs au poisson? Avec sauce tartare? C'est ça votre idée de l'hygiène alimentaire? Oh, une preuve! Alertons vite les experts! C'est vous qui avez caché ça là. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites à ces pingouins. Oh, monsieur est un grand expert, peut-être. Oui, absolument, je suis expert en pingouins. Oui, mais... Oui, d'accord. Trêve de discussion. J'emmène ces oiseaux pour les placer dans un foyer convenable. Vous ne leur donnez pas ce dont ils ont besoin. Oh là, je vous en pardonne, je leur donne exactement ce dont ils ont besoin. Quoi? Vous leur donnez quoi? Eh ben, je leur donne de l'amour. De l'amour? Oui, moi aussi, ça me fait tout drôle de m'entendre dire ça. Il ne s'agit pas d'enfants, monsieur Popper, il s'agit d'animaux. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de neige, et une fois de temps en temps, l'un d'eux a besoin de se faire croquer par un cachalot. Hé! Vous savez qui ils aiment? Je vais vous le dire, moi, qui ils aiment. Ils ont une préférence pour celui qui tient le poisson. Traître. Réveillez-vous, Popper. Ces pingouins ne peuvent survivre que dans un zoo ou en Antarctique. Alors, tôt ou tard, je vous prendrai, ces pingouins. Oméga 3, Poppy. Là-dessus, les pingouins ont une longueur d'avance sur nous. Monsieur Popper, je suis perplexe. Quel est le rapport avec le problème Van Gundy? Van Gundy? Oh, une tonne de ça. Une tonne. Mais dites-moi, vous avez un plan? Ah, j'ai toujours un plan, Poppy. Première fraîcheur. Vraiment? Alors, pourquoi il pue la Javel? Monsieur Popper, vos employeurs vous mettent la pression. Peut-être puis-je prendre personnellement soin des pingouins. Vous avez besoin de cette promotion. Non, Poppy, nous avons besoin de calamars. De plein de calamars. Mon beau pingouin, toi qui aimes le frais, t'aimes aussi la friture. Quand vient la neige, tu es le roi. Ah, salut les gens, les bébés sont en route. Soyons taquets. Il leur faudra une petite banquise et une température de 10 degrés. De la poudreuse dessus. C'est vrai, je suis expert en pingouin. Hé, oh. Hé, pas de ça à l'intérieur. Sans compter qu'une boule de neige bien compacte s'avère une arme souvent fatale. Vas-y, vas-y, on va le faire. Attends, non, pas de temps. Voyons, combien on peut mettre dans cette capuche, hein? Deux tonnes? Prenez un stylo, Popper. Je vais vous donner les coordonnées d'un excellent déménageur express. Ah, attends. Je crois que ta maman appelle. Vous ne perdez rien pour attendre, Popper. Je vais envoyer un mail au syndic. Debout les Jones. Vous voudriez pas louper ça? Oh.
Crosby, y a personne à l'horizon. Mais dans l'air. Crosby en position de défense. Oh, désolé. Hey. Et toi là-bas, je t'ai vu. Oh, morte de trouille. Perdu. Je sais. Maman. Joli bonhomme de neige. Ça devient cosy ici, non? Avec vue sur le pôle Nord. Capitaine attend toujours d'être papa. Maman. Eh oui, une femme a le droit d'être capitaine. Les remarques sexistes ne sont pas admises ici. Non, c'est vrai. Mais on tolère les coups de crosse. À bientôt pour la revanche. Oh, ouais. Tu m'appelles quand il va éclore. Promis. Très bientôt. T'en fais pas, capitaine. Il prend son temps, c'est normal. Et je parie qu'il volera comme un aigle. Tu t'endors? Pas du tout. Ah, c'est moi, alors. Tu devrais aller dormir. Je veux pas le quitter des yeux. C'est un popper. Bonne nuit. Ah, les ancêtres, toujours vivants. On vous a laissé 7 messages. Vous avez une mine épouvantable. Nous n'avons eu aucune nouvelle de la taverne. Où en êtes-vous? Poppy a dû vous le dire, j'ai pris un terrible coup de froid. Une pneumonie. Mais vous avez dû me prévenir, j'aurais tout remis en glace, en place. J'aurais passé madame la machine à damer. Oui, la femme de ménage patine le mercredi. Il est complètement givré. J'ai déjà vu ça. Il est arrivé la même chose à Howard Hughes. Ça ne vous rajeunit guère. Popper, la taverne. Oh, la taverne. La taverne est un projet fort intéressant. J'ai une foule d'idées à propos de la taverne. Pour l'amour du ciel, Popper, il faut vous ressaisir. Vous êtes entouré de pingouins. Je suis au courant. Je sais que c'est étrange, mais il reste juste un œuf. Aussitôt qu'il aura éclos, je reviendrai. Franklin, ça fait combien de temps que je travaille pour vous? Combien de matchs de foot j'ai loupé? De récitals de danse? C'est vrai, on fait tout ça pourquoi? Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de laisser passer. C'est trop tard. Nous l'avons perdu. Popper, vous êtes viré. D'accord. Je vous souhaite bonne chance dans vos futurs projets. Gratitude. Œuf, pingouin, urgence, éclosion. J'ai essayé de vous le dire, monsieur Popper. Vous n'êtes pas équipé pour ça. Peut-être que vous devriez me les confier pour un petit moment. Mmh.
Et si la statue de la liberté avait un copain? Bon, messieurs, les vacances, c'est terminé. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu un zombie ou quoi? En voilà un. Show of the tail. Je mange des cervelles et remonte les bretelles. Marcel, appelle-moi la mairie. Je veux savoir quand est-ce qu'on peut lancer les bulldozers. Rappelez à monsieur le maire le montant de notre contribution électorale. Regardez ça, jamais je ne me lasserai de cette vue sur New York. J'adore votre nouvelle déco. Popper, qu'est-ce que vous faites là? Je viens faire une bonne action, Franklin. J'ai décidé de vous reprendre. Vous allez nous reprendre? Mais c'est vous qui êtes viré. Tout est pardonné, nul n'est coupable. Je vous fais un petit update. J'ai mis le paquet avec Van Gundy. J'ai fait une offre à 100 millions de dollars à ses héritiers, leur ai suggéré de lui rendre la vie difficile jusqu'à ce qu'elle craque. Et pour ce faire, ils ont tous réemménagé chez elle. Van Gundy a programmé une conférence de presse pour demain, et elle souhaite notre présence. Veuillez nous excuser, nous avons à déballer. Notre Popper est de retour. Bonjour, bonjour. Bonjour, papa. Salut. Ça va? Et toi, ça va? Ouais, tu t'es reposé? Yeah, absolument. Oh, Billy, avant d'entrer, je dois vous dire qu'il y a eu quelques petits aménagements. Où ils sont? Ils vont bien, ils vont très bien. Ils sont au zoo, et en fait, c'est le meilleur endroit pour eux. Ils ont leur piscine d'eau glacée, du poisson à volonté, et il y a même des masseuses de pingouins. Et le tout raconté par Morgan Freeman. Tu les as expédiés dans une cage? Billy, ce sont des pingouins. Des oiseaux, ils sentent pas les choses comme nous. Thomas, je crois pas que... Laisse tomber, maman. Mais enfin, arrêtez! Tout ça, c'était très sympathique, mais il fallait revenir sur Terre. Puis il nous reste le foot, la soirée boule de neige. Je vais plus à cette soirée débile, ça m'a saoulé. Cooper Keegan en a invité une autre. Oh, Jenny. Il arrive qu'on soit déçus par les garçons. C'est pas lui qui m'a déçu. Jenny! Bon, et maintenant je fais quoi? Essaie de sentir quelque chose pour une fois. Oh, pitié! Je sens que je me sens bien. Quand les œufs ont éclos, j'ai vu la lueur qu'il y avait dans tes yeux. Mais c'était pas moi. Je me faisais un film où les gens vivent avec les pingouins et les enfants les aiment et tous les œufs éclosent. Enfin, réveille-toi! Oula. Ben ça y est, je suis réveillée. Rick voulait qu'on prolonge le séjour au Ghana, histoire de prendre un peu de vacances. Tu es d'accord, Popper? Absolument. Monsieur Papa, nous passons vous prendre. Très bien. Oh. Ah. Bien cher Tommy, au cours de mes voyages, je n'ai jamais connu une créature aussi avisée que celle-ci. Une fois qu'elle t'a donné son amour, elle ne te quitte jamais. Pardonne-moi, mon fils, d'avoir mis tout ce temps à comprendre cette leçon. J'espère seulement qu'il sera encore temps pour toi. Fais un câlin à tes petits de la part de grand-père et garde-les aussi proches de ton cœur que possible, aussi longtemps que possible. Aigle d'Amérique, fin de transmission. Allez, en voiture. En route. On ne veut pas aller à tes conférences de presse débiles. Nous n'allons pas à la conférence. Pardon? Chauffeur, conduisez-nous au zoo. Quoi? Nous allons reprendre nos pingouins. Ouais! Monsieur Popper est en retard, comme d'habitude. Appelle-le. Qui?
ton ex-copain qui gagne. Mais arrête. Chérie, il faut lui ouvrir ton cœur. Il est peut-être brisé, mais au moins, c'est la preuve que tu en as un. Allez, appelle-le. Papa, aujourd'hui, je ressens plus rien pour lui. J'avais enfin retenu son nom. Merci quand même. Appelle-la. Qui ? Maman, ton ex-femme. Oh, aujourd'hui, je ressens plus rien pour elle. Je blague, donne-moi ça. Attends, désolé. Jenny, qu'est-ce qui se passe ? Tabanda, bonjour. Écoute, ça risque de te paraître un peu déplacé, mais ne va pas au Ghana. Tom, c'est encore une de tes blagues, c'est ça ? Si tu vas avec lui là-bas, votre histoire deviendra une romance et... J'ai pas dit que je voulais pas que tu reviennes vivre avec moi comme ça, mais donne-moi juste une dernière chance. Une dernière. Dîne avec moi, encore une petite fois. S'il te plaît. Une longue pause, c'est bon signe. Elle réfléchit. Où est-ce que tu comptes m'amener cette fois, Popper ? Encore un lieu historique que tu vas démolir ? Non. Avec les enfants, on va rendre visite à des vieux copains. Deux enfants, un adulte. Non, non, deux adultes. Maman ! Ouais ! Ne nous emballons pas. Attendons de voir. Et j'espère qu'on y verra clair cette fois. Oui, absolument. D'accord. Allons-y. Nous voilà, les pingouins. On va vous faire sortir d'ici. Ils sont pas là. Ce ne sont pas nos pingouins. Non, ce sont pas eux. Où sont mes pingouins ? Je vous rappelle. Monsieur Popper, ce ne sont pas vos pingouins. Vous allez arrêter avec vos arnaques. Pourquoi ils ne sont pas avec les autres ? Parce que nous avons déjà des pingouins. Mais ce que nous n'avons pas, c'est un émeu, ou un dragon de Komodo, ou bien... un tigre du Bengale. De quoi est-ce que vous parlez ? De transfert, Monsieur Popper. Les eaux le font tout le temps, comme les clubs sportifs. Comment vous croyez que les Yankees ont gagné 27 matchs d'affilée, sûrement pas avec tous leurs joueurs ? Où est-ce que vous les envoyez ? 3 à Washington, 3 vont à Tokyo et les 2 petits vont aux eaux de Dubaï. Vous n'avez pas le droit de les séparer, c'est une famille ! Attendez, ce ne sont que des oiseaux. Que des oiseaux ? Et l'aigle d'Amérique ? Lui aussi, c'est qu'un oiseau ? Oui. D'accord. Alors prenons-le. Non, Big Bird, c'est ta papette. Laissez-nous juste les voir. Ma famille est toute chamboulée, mes enfants traumatisés. Hein, Billy ? S'il vous plaît, monsieur, on va juste leur dire au revoir. Non. Les enfants, regardez à quoi ressemble un menteur. Regardez-le bien. Écoutez, même si je le voulais, je pourrais pas, je vous le jure. Ils ne sont plus là. Grailleur ! Ah, vous êtes vraiment un menteur ! Popper ! Popper ! Retournez là-dedans ! Pinceur, beau travail. Ces pingouins vont regagner immédiatement leur cage. Alors là, tu peux te brosser. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qui veut du bon poisson ? C'est... Non, viens, les pas. Venez, mes petits, venez. Venez manger. Par cette fois. On fait comment ? T'as un plan ? Excusez-moi, on nous a présenté ? Allez. Qu'est-ce que vous foutiez ? Désolé, chef. Chef, vous avez une description des suspects ? Attendez voir. Ce sont ceux qui se baladent avec 8 pingouins. Ah. Fermez toutes les issues. Les enfants, vous avez les bébés ? Oui, oui, on les a. Excusez-nous ! Évacuation des eaux pour cause d'épidémie ! C'est la grippe aviaire de l'Antarctique ! Terrible ! Reviens ! Ne respirez pas l'air ambiant ! Merci pour votre compréhension ! C'est par là. Oh non. Ou par là. Attention, il est l'air naturel. Oh non, tu l'as déjà. Tu vas vers l'ascenseur. Dis, fais quoi qu'il en fasse. Il monte.
madame, mais cette sortie est provisoirement fermée, désolé. Pourquoi ? Parce que c'est fermé. On n'entre pas ici. Provoquer une perturbation. Je regrette, chaton, mais il va falloir que tu marches un petit peu. Sortie d'or. Oui, mais cette sortie est fermée jusqu'à nouvel ordre. Merci. Désolé pour le désordre. Mademoiselle. Ok. Doucement, maintenant, formez les rangs. Parfait. On avance bien groupé. On reste calme. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? J'ai été piqué par un porc-épic. Il vous a piqué où? Sur mon postérieur. C'est où, ça? Je connais pas. Voilà la limousine. Restez en rang, tout le monde. J'y sens pas. Hé, rompez les rangs. On fonce. Rompez les rangs. Vite, vite. Vous devez perdre, esclavagiste. J'en suis pas sûr, Popper. Vous n'auriez pas oublié quelque chose? Non, non, je ne crois pas. Pourquoi? Tom! On a oublié de les compter! On a oublié de les compter! Il est sur le toit. Capitaine! Captain Bond! Ah, Captain Symphony! Elle n'est pas exceptionnelle, hein? Pourquoi vous vous tapez dessus? Hein? Pourquoi vous vous tapez dessus? C'est comme ça que vous faites avec vos animaux, hein? Hé, hein, sauvage! Là, c'est vous qui êtes piégé, comme une vilaine bête. Ironie du sort. Hé, hey, non! Revenez tout de suite! Oh, vous avez vu ça? Je m'amuse comme une folle! Et ça ne fait que commencer. Chauffeur, la taverne on the green. Attendez, chef, c'est bon, je vous l'ai. Je vous l'ai. Un grand nombre de rumeurs a circulé ces derniers temps et je suis ici pour les dissiper. J'ai toujours dit que si je vendais un jour la taverne, ce serait uniquement à la bonne personne. Et voilà pourquoi je suis là pour vous annoncer... Attendez, il ne faut pas... Qu'est-ce que vous en dites? C'est l'effet ralenti? Je demande votre attention. Madame Van Gundy, vous ne pouvez pas vendre. Je sais. Si vous vendez la taverne, je la ferai démolir. Et alors Freddy, Tito, Klaus et le sosie du grand Schtroumpf, là, ils vont se retrouver à la rue. Je sais. Ce lieu fait partie de l'histoire de New York. Il fait partie de mon histoire. Je venais ici avec mon père. L'autre soir, je suis venu dîner et ça a été le plus fabuleux dîner de ma vie. Mmh. Et je préférerais me couper les deux mains et me crever les deux yeux que... Non, il faudrait que d'abord que je me crève les yeux et qu'ensuite quelqu'un m'aide à me couper la main droite parce que la main gauche, il n'y en aurait plus. Monsieur Popper, je vous en supplie, arrêtez. Très bien. Je ne vais pas vendre. Pas vendre? Pourquoi on s'est mis sur 131? Ah, le voilà. Excusez-moi, messieurs, dames. Matt Jones du jardin zoologique. Cet individu fait du trafic de pingouins volés. Quoi? Je vois pas du tout de quoi vous parlez, vous faites sûrement erreur. Des pingouins? C'est absurde. Non. Partez, pingouins. Ah, papy. Vous deviez rester dans la voiture. Ils ont pété les portières à coups de bec. Il a séquestré ces pauvres créatures sans défense dans son appartement. J'ai tenté de les sauver, mais il s'est introduit au zoo et il les a kidnappés. Il me semble avoir déjà vu ces pingouins, n'est-ce pas, Monsieur Popper? Oui, c'était bien eux. Pourquoi avoir fait cela? Tel que je vous connais, c'est sans doute pour un profit personnel. Oui, qu'aucun argent au monde ne peut acheter. Oh, pour l'amour du ciel, Monsieur Popper et sa famille de cinglés sont tous persuadés que ces pingouins les aiment. Ils se trompent. S'ils ont à choisir entre l'amour et une bonne sardine juteuse, ils choisiront quoi? Le poisson sans le moindre état d'âme. J'en suis pas si sûr. Nous allons voir. Il a du poisson. Je gère. Allez, mes enfants. Venez.
C'est pour qui, ça? Capitaine, s'il te plaît, viens voir ton papa. Ils sont avec qui, c'est pas quoi, hein? Non, ça prouve rien. Bon, alors, allez-y, qu'attendez-vous pour les arrêter? Pourquoi? Pour avoir gagné? C'est comme ça qu'on fait dans ce pays? Elle est devenue comme ça, l'Amérique? Je ne crois pas, non? Je ne crois vraiment pas. America! America! Vous êtes tous complètement malades. Ce monsieur enfreint la loi. Allez, mon vieux, il y a un peu de cœur. Un peu de cœur? Mais je vais appeler le chef de la police, ouais. Je vais même appeler le maire. Vous permettez? Michael? Quoi? Comment vas-tu, très cher? Oui, j'ai là une petite affaire qui mérite toute ton attention. Allez, venez. Les pingouins seront parfaitement bien traités. Monsieur Popper a toujours un plan. C'est du délire! Coupez court à cette consternante cacophonie. Papy. Quentin. C'est un plaisir. Comme vous le dites. Je crois qu'on a obtenu la garde. Visiblement. Monsieur Popper? Madame Van Gundy. Toutes mes félicitations. La taverne on the green est à vous. Je vous l'avais dit. Je n'oublie jamais un nom, jamais. Je voulais juste m'assurer que le petit garçon assis là n'avait rien perdu de son innocence. Beau travail, Popper. Hé, Franklin. Quand est-ce qu'on commence à démolir? Jamais. Comment ça? Je ne comprends pas. C'est vraiment magnifique ce que tu as fait. Oh, merci. T'as dit beau travail, papa. Je te remercie, Billy. Mais j'étais pas tout seul. Je ne suis que le cerveau de la bande. Bon, je vous ai réunis ici parce que j'ai une annonce à vous faire. Je vais partir en voyage. Très, très loin d'ici. Et je risque d'être absent très longtemps. Alors, j'aurai besoin de vous avoir avec moi. Génial! C'est trop cool. Et où allons-nous? Dans un endroit chaud, j'espère. Non, pas là. Supporte son slip. Reste trop. Oh, oh. Regardez, vous avez vu ça, là? C'est une réunion de famille. Regardez la famille Kalinou. La famille Brayeuf. Ah, il y a les loupings aussi. Papa, je crois pas que Captain se plaise ici. Ça va aller, ma grande. Il va falloir t'y habituer, c'est tout. Oh. Oh. Je crois qu'elle va bien se plaire ici. Comment on appellera son bébé? Voyons. Lui, ce sera un champion de vol. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... l'aigle d'Amérique? Ben voilà, on a une raison de revenir par ici. Ouais. Tu entends ça, Capitaine? On va revenir te voir. Merci, Capitaine. Tu es le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. À très bientôt.
Pas mal, Popper. Pas mal. Absolument.